financer l'entrepreneuriat créatif, valoriser l'excellence culturelle et célébrer l'artisanat d'exception. Tels sont les objectifs spécifiques d'une rencontre d'échange organisée par Birimian et Orange Bank. Les deux structures ont par la même occasion signé un accord de financement de 500 millions de francs CFA. Nous sommes loin d'avoir atteint l'objectif. Nous avons commencé avec une première enveloppe de 100 millions de francs CFA. 9 mois après, nous sommes fiers qu'elle passe à 500 millions. Nous n'allons pas nous arrêter là. Dans un an et demi, pourquoi pas viser le milliard et ainsi de suite pour pouvoir financer et accompagner de plus en plus de marques, de créateurs et d'artisans d'exception qui font notre richesse, celle de notre patrimoine. Il nous faut encore plus d'entrepreneurs qui viennent nous voir et donc c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous. Propager le mot, nous attendons les créateurs afin de pouvoir les financer et être un instrument de leur développement et de leur croissance. Ce rendez-vous a permis aux participants de comprendre le processus d'octroi de financement et l'engagement du gouvernement à accompagner la culture sous toutes ses facettes. Bien sûr qu'il faut du financement, bien sûr qu'il faut de la structuration, bien sûr qu'il faut, c'est un de mes messages lorsque je rencontre les acteurs culturels, il faut que vous vous regroupiez, il faut que vous soyez force de proposition. Il faut que vous arrêtiez de penser que l'on ne s'occupe pas suffisamment de la culture. Vraiment, je vous invite, et je pense qu'on va la mettre sur le site du ministère, je vous incite à lire cette loi sur la politique culturelle. Elle est vraiment puissante. Le financement en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est très, très difficile. Donc depuis, toujours, j'ai été financée par mon mari. Donc là, il s'est dit, tiens, voilà au moins quelqu'un qui me soulage de quelque chose de très, très puissant. Et c'est l'argent. Donc le financement est venu un peu plus tard avec Birimia. Et ça a été vraiment un soulagement pour la création des collections, les débouchés, la promotion de la marque et tout ça. Donc c'est grâce à Birimia, autrement on n'aurait jamais pu le faire. L'innovation financière au service de l'excellence culturelle ivoirienne était le thème de cette rencontre.